Bonjour, je vais vous présenter comment préparer votre assolement pour la campagne prochaine avant même que le passage de campagne ne soit ouvert. Vous pouvez faire cela en passant par la couche croquis. La couche croquis est disponible dans la liste des couches, en général sous la couche îlot. Vous pouvez cliquer tout d'abord sur la couche croquis et cliquer ensuite sur Gérer les croquis. Vous allez ajouter un croquis pour chaque culture que vous voulez planifier pour la prochaine campagne. Vous rentrez le nom de la culture, du croquis, et vous cliquez sur Ajouter. Vous pouvez ensuite changer la couleur en cliquant sur le petit carré coloré. Pour l'exemple, je vais rentrer un colza, un maïs et un blé. Et je vais mettre chaque culture d'une couleur différente. Vous pouvez cliquer ensuite sur Retour pour revenir à la liste des couches. Une fois cette étape créée, allez sur Parcelles et sélectionnez toutes les parcelles qui concernent un type de culture pour la prochaine campagne. Cliquez ensuite sur Envoyer vers, Croquis et la culture concernée. La liste des parcelles s'affiche et vous pouvez cliquer sur Valider. Revenez sur la couche Parcelles et faites ceci pour les autres parcelles à destination d'une autre culture. Envoyer vers, croquis et valider. Vous allez pouvoir ensuite consulter la surface de chaque culture. En allant sur la couche croquis, vous avez dans le détail les différents croquis. Afin de les afficher, il vous suffit de masquer la couche parcelle. Vous voyez du coup les couleurs correspondantes sur la carte. Et vous avez dans le volet de sélection les différentes parcelles. Colza, blé, maïs, etc. Et pour sélectionner, vous pouvez sélectionner du coup directement ici chaque parcelle d'un type de culture, ou alors en cochant ou décochant dans la liste des couches du croquis, vous pouvez ensuite cliquer sur tout sélectionner et sélectionner un seul type de culture. Vous avez ici en bas à gauche la culture, la surface totale de la culture correspondante.